Et yo les gamins, les gameuses, c'est Bobios de retour pour la dernière vidéo. Donc je vais mettre chapitre 5, donc le boss. J'essaierai de vous caler le 4, donc en fait je vous explique le petit hic, c'est que j'ai oublié le rec, tout simplement. Je rec avec la console, en fait, quand l'étape est passée, je rec les 15 dernières minutes. Donc derrière, il faudrait que je fasse le réglage, hein. Logiquement on peut rec maintenant une heure de gameplay avec la console, il faut que je fasse juste le réglage. Mais voilà, donc là nous sommes arrivés à l'étape 5 du boss. Demandez-moi hein, si vous voulez l'étape 4, si j'ai pas de demande, je la mettrai pas. Mais je risque d'avoir quelques demandes. Donc enfin bref, là on est à l'étape 5, donc c'est la deuxième phase du boss. Pour cette étape là les gens, c'est tout simple. Au tout début, il faut tirer sur le boss pour l'activer, après avoir fait la première phase. Et faire du DPS, de middle, de la droite, de la gauche. Donc en fait la pièce elle est assez symétrique, hein. Là où je suis quasiment là, le centre il est là, le centre il est là, t'as vu, et je suis là, voilà. Je suis vraiment quasiment au centre. Et la pièce elle est symétrique, je vous dis ça, vous allez savoir pourquoi. Donc en fait, de la droite, de la gauche, de middle, et vous avez pu voir, avec une fois que le clean est fait, il y a un chevalier qui sort avec un canon brûleur. Donc moi j'ai eu le solaire, donc il y a les trois, hein, solaire, cryo et... abyssal. Donc du coup vous cherchez après le collecteur qui est de votre canon brûleur, et du coup ces collecteurs vont lâcher une petite boule qu'un autre gardien va récupérer et jeter sur notre collègue le boss. Je crois que c'est Axis. Du coup en fait trois collecteurs, trois canons brûleurs, trois collecteurs, logique, trois bulles. Avec les trois bulles vous les jetez sur le sur Axis du coup. Donc vous avez pu voir, en fait, j'étais un petit peu bleu brillant. Hein. En fait, le bleu brillant, c'est la lumière. Sur les 6 gardiens, 3 gardiens vont récupérer une lumière. J'espère que je suis assez précis, hein. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière. Donc on va avoir la lumière. Et en fait, les 3 personnes-là vont devoir se situer, se placer d'une façon en sorte que, voilà, là, c'était Mad qu'on avait une. De façon en sorte qu'on soit près d'un endroit où le boss va se TP. Donc en fait le TP, une fois que vous avez jeté les 3 boules, va se TP dans 4 en 4. Ok, ou 4 endroits différents. Là il est à gauche. Là il est à gauche. Juste avant, là où j'ai commencé la vidéo, j'étais au milieu. C'est con, je peux pas vous faire voir au pire. C'est vraiment bête. C'est vraiment le gameplay. Donc là, ok. Là c'est le middle. Là où je suis, c'est le middle. Là là-bas c'est middle, là vous avez vu là sur la gauche, c'est middle arrière. Donc en fait il y a 2 TP sur le middle. Et il y a il était à gauche, il y a aussi symétriquement à droite. J'espère que vous arrivez à me saisir franchement les gens. Donc il peut se TP à gauche. Gauche, il peut se TP à droite, il peut se TP au middle devant, au middle derrière. Donc en fait il faut faire en sorte les gens qu'il y ait toujours un mec qui a de la lumière à droite, toujours un mec qui a de la lumière à gauche et un au milieu. En fait quand vous avez jeté les 3 boules, il se TP. Avec la personne avec la lumière va dessus, donc en fait son dos il y a une capsule qui s'ouvre, vous arrivez dessus avec la lumière et vous checkez un peu comme sur les prêtresses d'Oryx. Vous checkez, du coup ça va le stunt. Vous commencez à tirer, même déjà dès qu'il est TP, ceux qui n'ont pas de lumière peuvent déjà commencer à tirer dessus. Ça c'est fait. Après, oui, la personne, genre là à gauche, le mec avait checké. Comme je parlais de Mad, lui, s'il a encore la lumière, il a dit je garde la lumière et je charge à gauche. Nous, c'est ce qu'on dit. Je charge middle, je charge droite, je charge gauche. S'il a plus la charge, il le dit. Est-ce qu'il se peut, ça se transfère en fait. Là, vous avez vu, je viens tout simplement de la récupérer. Donc là, je vais attendre. On va voir là, cette étape-là. On va expliquer pendant l'étape. C'est pas évident, je veux dire, c'est pas évident de vous expliquer. Je pense que vous avez compris un petit peu le début. Après l'étape un petit peu de lumière, mais je veux que vous compreniez un petit peu en pleine action. Donc là j'ai la lumière. Le collègue Cora a aussi la lumière à gauche. Donc en fait l'un ou deux doit aller sur le côté. Donc demander si à droite ils ont de la lumière, si à gauche ils ont de la lumière, et aller à un emplacement où il n'y en a pas. Donc là j'ai récupéré mon canon brûleur. Hop. Voilà, lui il tombe. Donc, vous avez vu la petite boule, la petite relique. Du coup, il y en a un qui va récupérer la relique et jeter sur le boss. Et vous voyez, je reste à droite. Parce que Cora avait la lumière à gauche. Toujours avoir quelqu'un qui soit prêt à sauter avec la lumière à l'endroit où il spawn. Et là, j'y vais. Tac. Du coup, j'étais à droite, je check. Par contre, faut faire très vite. C'est ça. Vous avez vu son dos, là, il se referme. Et en fait, dès qu'il se TP, hein, faut vraiment tirer au maximum. Logiquement, ce boss-là, j'ai vu hein, un peu partout, il peut se faire en 4 fois. Si vous avez du bon DPS, il peut se péter en 4 fois. Vous avez jusqu'à 5 tries. Au-dessus de 5, c'est dead, c'est mort. Donc là on va le faire en 5 tries.
Là, vous voyez, quelqu'un est au middle. Donc là, je dis, j'ai plus de lumière. Donc quelqu'un va venir de mon côté. Là, je vais dire, j'ai plus de la lumière. Il me faut quelqu'un à droite avec de la lumière. Donc il y en a un qui doit arriver. Là, j'en vois deux sur la gauche. Mais ça doit être la personne. Ah, voilà, la personne est arrivée. Vous avez vu Cora a toujours la lumière au middle. Et il y en a un forcément de l'autre côté. Et du coup, il est revenu d'une autre. Vous voyez un petit peu? C'est simple. Et aussi à savoir, c'est sur les trois phases du TP du boss, le premier va être très court pour les DPS. Le deuxième commence un petit peu à augmenter. Et le troisième va être assez long. Là, logiquement, je sais pas si on est au troisième DPS. Ouais, je crois qu'on est au troisième DPS. Vous voyez, logiquement, en deux DPS, vous pouvez le mettre mid-life. Là, ça manque un petit peu de DPS dans la team, mais franchement, ils ont très 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 bien joué. Il y en a qui n'ont pas encore réussi. Voilà, ça c'est fait. Alors aussi, une fois après que vous avez fait ça, essayez de prendre 2-3 secondes pour récupérer des mines qu'il y avait autour. Et après, selon du sens que vous voulez, en fait, vous voyez les piliers comme ça, il y en a 5, je crois. 4 ou 5, je sais pas. Je sais plus. Et en fait, il faut partir tous sur le même. Surtout sur le même. Et en fait, la sphère dans laquelle vous êtes vous permet de ne pas vous faire tuer par l'aura que lui dégage. C'est un petit peu comme sur le prêtre de guerre. Vous voyez, quand vous avez fait son DPS, il envoie sa lune noire là, qui nique tout si vous n'êtes pas dans l'ombre de la stèle qui est juste devant vous. Bah là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Il faut vraiment bien rester planqué. Donc, à savoir aussi, bon, là, il faut bien niquer les collecteurs. Après, les chocheux. Bon, de toute façon, les chocheux apparaissent. Les chocheux vont apparaître, les gens, quand vous voyez la petite phrase en bas à gauche pour la lumière. Les chocheux, ils apparaissent à partir de là. Une petite aussi astuce. S'il y a quelqu'un qui est tombé, qui est mort, dites stop, ne tuez plus les chevaliers. En fait, ça va laisser le temps de pouvoir raise, en fait, tout simplement la personne qui est mort. Et ça s'enclenche pas, hein. Je vous jure, vous avez largement le temps. Donc là, du coup, c'est moi qui ai la lumière, je dis je charge milieu. Je récupère la petite bénée, je me prépare pour éviter de prendre du dégât, parce que le boss lui-même te déglingue. Et lui, chocheux, j'essaie toujours de le surprendre, parce que si vous le surprenez, il peut aussi s'avérer qu'il se TP. Nous, on a eu beaucoup de moments où se TP le boss. Pas le boss, mais celui-là qui est le voleur. Essayez de perdre du temps à dire le cryo est à droite, le cryo est à gauche, le cryo est au milieu. Faites un petit peu comme nous. Nous, en fait, on se parle juste pour la lumière. Qui a la lumière? De toute façon, je vais vous envoyer le raid complet. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie le raid complet. Là, je vous envoie les étapes et juste derrière, j'enverrai le raid complet avec la voix de tout le monde et vous voyez un petit peu comment on va fonctionner pour le raid. Bon, il sera pas complet, hein, mais vous avez compris. Toutes les vidéos que je vous envoie là, ils seront collées et vous entendrez les voix de tout le monde. Donc voilà, là, STP middle. C'est moi qui s'en occupe, vu que j'ai tout middle. Je charge, bing, hop, il est stunt. Donc là, vous allez voir, logiquement, le DPS est pas terrible. Donc j'ai encore la lumière. Je dis, je charge milieu. Je regarde si Cora, il l'a pas. Il l'a pas, donc je reste au milieu. Essayez franchement dès qu'il se TP, hein. Moi je vous conseille, je me répète, je sais, hein, c'est ce que je fais avec ma team, ne vous inquiétez pas. Et j'aime bien me répéter. Au moins c'est sûr, c'est clair, net et précis. C'est que dès qu'il se TP, vous pouvez commencer déjà à le DPS. Bon, là on a un qui est mort, mais il avait sa res. Hop. Ok. Aussi, pour les canons brûleurs, n'hésitez surtout pas à les prendre. Voilà, ça faut. J'espère que vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Les canons brûleurs, gardez-les. Je veux dire, tirez avec. Et quand vous les tirez, vous chargez. Si vous ne chargez pas, vous ne ferez pas beaucoup de dégâts. C'est du 2000, je crois. Et là, vous voyez, vous pouvez, je fais du 40 000. Et il y a les mêmes moments où vous pouvez envoyer du dégât critique. Donc, est-ce qu'il faut viser précisément? Enfin, je ne sais pas, mais nous, on fait ça un peu à l'arrache pour l'instant. Après, viser avec un canon brûleur, vous avez vu un petit peu comment il bouge. C'est pas simple. Donc là, je tape du 10 800 avec mon snipe. Du deg. Pas trop mal. Donc là, bah, voilà, on a eu les trois phases de DPS. On va ici, tout le monde va bien ici. Alors si vous avez le malheur d'enclencher une tourelle, une autre tour, je veux dire deux tours, et que il faut le DPS en 5 tours, c'est mort. Dites-vous c'est mort. C'est, tout le monde se suicide et vous recommencez. Ce raid n'est vraiment pas compliqué. La stratégie, là, ouais, il faut vraiment communiquer. C'est comme dans tous les raids en fait. Là, on n'a pas beaucoup de lumière, donc on prend assez pas mal de dégâts. Le boss en plus, non seulement vous voyez, hein, il shoot, mais en plus il envoie des sphères de poison. Ça fait un peu, vous voyez, l'infection qu'on a eu il n'y a pas longtemps avant le nouveau DLC. C'est ça, une grosse sphère rouge qui envoie du poison, mais si vous restez dedans, vous prenez tard. Bah, du moins, avec le peu de lumière qu'on avait, on prenait assez cher. Donc moi, j'étais 3,71, je crois. 3,71 ou 3,73 avec mon titan. C'est le plus élevé que j'ai. Là, il y a ma putain de... Non, c'est mon spectre. Pardon. C'est mon spectre qui me bloque. C'est mon fucking spectre. Là, vous voyez, la petite sphère qui est à droite, là, c'est ça qui est assez rouge. Il y a des moments où franchement il s'est enchaîné. Je crois qu'il y a un moment où il nous en a calé 4 au milieu.
On a morflé à mort. Mais quatre à la suite, hein, il prenait toute la surface du milieu. Nous, en fait, ce qu'on fait au milieu, quand il est à gauche, on va à gauche, on se cale toujours en, de sorte que le boss ne puisse pas nous taper. Là, je ressors la bulle bénée. Ouais, après, chacun a sa strat, hein, les gens. Si vous voulez vraiment être safe, voilà. Tac, là, j'ai le canon brûleur. Donc là, je vais chercher où est le truc. J'ai pas besoin qu'on me dise il est là, il est là, il est là. Moi, je cherche. Ça évite de perdre du temps. Puis qu'on reste concentré sur les voix des personnes qui disent j'ai la lumière à droite, j'ai la lumière à gauche, j'ai la lumière middle. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Cherchez, vous voyez, regardez. J'étais pas sur le bon côté, pas de problème. Vous avez le temps. Vous avez franchement le temps. Hop. Il est même sur le truc pour sacrifier. Vous voyez, et bing, hop. Faut pas se prendre la tête. Franchement, le raid, il est très très simple. Donc là, sur le boss, on a 15 minutes. L'autre phase. Ouais, peut-être 10 minutes, donc on était à quoi, 20, 30, moi j'ai 40 minutes en bâclant ça bien, 40 minutes, le raid il est torché, 40, nous on l'a fait là à peu près en 45 minutes, donc en 40 minutes en étant les lumières, donc imaginez-vous avec des bonnes lumières, en combien de temps on peut le torcher quoi, c'est peut-être une voire 30 minutes, et en speedrun, je n'ose même pas imaginer quoi. Donc voilà, c'est, franchement je vous dis, le raid est très très court, c'est un petit peu abusé, le story très rapide, le raid très court, bon, c'est ce que qu'on dise, hein, 30€, pas dans le cul, hein, ça fait plaisir d'avoir du nouveau contenu quand même sur Disney, mais bon voilà, donc là vous voyez, hein, on était deux avant la lumière à gauche, je vous invite, hein, à aller voir la vidéo qui arrivera très prochainement sur ma chaîne, donc certainement après celle-là, hein, ce sera le raid, après celle-là, ce sera le raid complet avec la boîte de... Vous verrez un petit peu comment on communique. Mais je pense que je me suis pas trop mal. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Le raid, on l'a déjà torché deux fois. Demain, on fait le troisième, comme j'ai dit sur l'une des vidéos précédentes. Et sur les deux, à chaque fois, on a eu des personnes qui étaient pas là, qui devaient partir. Donc, il a fallu que je fasse le tuto plusieurs fois. Et j'ai bien demandé s'ils avaient bien compris. Ils avaient bien compris. Donc là, je vous ai dit exactement ce que je leur ai expliqué. Et bah, ça a bien fonctionné. Hein. Donc là, vous avez vu le petit truc que j'ai fait là. J'ai regardé le boss. Pourquoi ? Vous allez comprendre juste après en fait. Parce qu'il y a un moment, quand vous arrivez à un poil de cul de sa vie, là on y est presque, hein, franchement on y est presque. Il va plus stepper, il va aller directement, en plus il va prendre un petit quoi, 3-4 secondes, peut-être voir 5 secondes, où il va plus stepper du tout, on sait pas où il est, et en fait il va revenir ici, et il faudra le DPS. D'ailleurs hier, G.I. Jando s'est fait niquer, il était presque, il a galéré super longtemps, et je l'avais vu sur une vidéo sur Derek, hein, juste avant d'aller sur son live. Et bah il avait le seum, hein. Je te jure direct avec le gros seum. J'étais plié, il y a pas mal de monde qui était plié. Hein. Mais bon voilà, bah, t'as pas oublié de spoiler les garçons, t'as pas eu un petit délicat à Jay. Mais ouais, en fait, il faut savoir qu'il faut pas s'en barrer hein, directement sur le pilier, surveiller si lui, son bouclier en fait, est encore présent. S'il est plus présent, c'est que c'est la phase finale, et il faut le défoncer. Donc voilà, voilà, on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Là on est à 13 minutes, 115, ça va, ça passe. J'ai de la lumière, je cherche à m'élever. C'est ce que je dis à chaque fois. À part si le collègue qui est avec vous au milieu dit je l'ai aussi, donc du coup vous demandez à droite à gauche s'il y a un endroit qui en a pas. Automatiquement il y a un endroit qui l'a pas, hein, c'est sûr. Si on a deux milieux, il y a un coup dans le pâté. Donc tac. 3,73 on va dire, hein, je crois. Hein. Donc imaginez à 3,85. Le jambon qu'on va pouvoir envoyer sur ce raid, ça va être abusé. Vous avez vu, hein, je suis parti direct à gauche. Vous pouvez avoir de la chance, hein, tomber directement sur le collecteur du machin. Et voilà, simplement. Donc je redis, hein, vous avez vu un petit peu les étapes, comment ça se passe. Après, hop, dès que les reliques sont tombées, là il y en a une qui est un petit peu à la bourre, elle va arriver. Hein. Il va stepper où ? Stepper, pas à gauche en tout cas. Stepper, hop, un middle. Voilà, le check. Hop, et on part sur le DPS. C'est vraiment pas compliqué, hein. Si vous avez du mal, revenez bien en arrière, mais je pense que je me suis pas trop mal démerdé pour vous expliquer le tuto du raid. Donc le petit truc que je vais faire, c'est je vais envoyer ça là avant les autres. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de monde sont arrivés au raid et beaucoup de monde bloque ici. Donc je vais pas upload les autres, je vais upload ça là en première et après je mettrai les autres. Pour ceux qui sont qui n'ont pas encore fait le raid. Donc vous voyez, hein, là il s'est passé ce que j'ai exactement dit. Une petite astuce aussi, les gens, essayez toujours d'avoir des clés sur vous. Vous récupérez les petits losanges rouges sur vous. Vous pouvez, avec 10, recréer une clé.
Parce qu'à chaque boss, il y a le loot du boss plus un coffre. Donc voilà, je vous laisse là, je vais ciao ciao tout le monde. Bye.